Bonjour, je m'appelle Gaëtan, je suis guide conférencier à Mulhouse et nous nous trouvons place de la Réunion. Sur la place de la Réunion, on a toutes les caractéristiques de la ville qui rappellent aussi la ville médiévale, le temple Saint-Étienne avec toute l'histoire protestante de Mulhouse, l'hôtel de ville qui rappelle aussi le siège du gouvernement de la ville quand Mulhouse était une ville indépendante, ainsi que tous les commerces qui étaient également présents au Moyen-Âge et qui faisaient que Mulhouse était ici une ville très dynamique, centre commercial, centre économique, religieux et politique. Généralement, nos visites guidées commencent ici. Ça nous permet de faire un récapitulatif sur cette histoire particulière de Mulhouse pour introduire les visites. Et ensuite, un bon point pour commencer nos balades qui partent soit dans le centre historique, mais peuvent également aller un peu plus loin. Les visites se font dans le cadre de la Maison du Patrimoine qui se trouve place Lambert, juste derrière le Temple Saint-Étienne. Et nous organisons toutes les visites guidées dans la ville de Mulhouse avec nos guides conférenciers. Et nous avons aussi une exposition permanente sur l'histoire industrielle de Mulhouse ainsi que des expositions temporaires comme en ce moment sur les fouilles archéologiques qui ont eu lieu dans la cour de l'école Cour de Lorraine à l'été 2015.